Allez, salut, c'est Seb, on est parti, on se retrouve sur GT Sport pour une quotidienne B groupe 3 sur le circuit de Red Bull Ring pour 5 tours. Alors, je me suis qualifié 4ème, c'est ma 3ème tentative et je peux vous dire que ben, pas évident de ne pas perdre de points encore une fois. Je suis même plus à la tendance d'en perdre que d'en gagner. Très compliqué de faire attention. Bah, à la place et au point, parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo que les points ça m'apportait peu, mais en fait pour le championnat qui arrive en fin de semaine, si tu veux marquer des gros points, et bah dans GT Sport il faut être bien placé. Voilà, merci monsieur, ça commence. J'ai mal démarré, mais c'est quoi leur moteur à elle? C'est quoi la puissance de le moteur aux Aston? Elle dépose tout le monde. Ah, l'Audi en difficulté. Pénalité, il a dû le toucher, je pense. Grosse difficulté quand il suit quelqu'un, c'est hallucinant. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Le podium n'est pas loin, mais en même temps. Ah oui, rabats-toi sur moi. Ah là 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 là. Ah bah il a protégé, je vais en profiter. Ah, tire tout droit. Oublié de freiner, je crois. Il était tellement obnubilé pour sa défense qu'il en a oublié de freiner. Alors, vous avez vu, j'ai mis la caméra pédalier. C'est peut-être pas la définitive, je verrai bien. On verra ça plus tard. Je pense également vous mettre peut-être le volant. Peut-être prendre l'aspi quand même. Il a une seconde de pénal, donc on va essayer de pas le défoncer. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais ah, si je me prends une pénalité, c'est injuste parce que c'était soit je le défonçais, ou soit je m'écartais, chose que j'ai préféré. Alors on a le podium, mais alors là on voit carrément qu'on se fait bouffer. On va freiner tard et on va protéger. Allez, podium provisoire. Il y a un Français devant. Oh, j'ai freiné tard. Oh, c'est très loin derrière. À mon avis, ça se bagarre. Donc, si je fais pas de bêtises, ça devrait le faire.
Alors juste pour info, pour vite fait, vu que je suis en position assez stable, vous parlez de la suite au niveau de la chaîne. Je pense qu'il y aura certainement deux championnats à suivre. Sur GT Sport et sur PC, le prochain en DTM, sur S-Room. Ça commence le 6, si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. DTM avec le DRS, c'est juste top. Je sais pas encore si je ferai en live ou en différé. Bon, les deux devant, à mon avis, sauf s'ils se sortent, ça va être très compliqué. Ça attaque là-bas au bout. Ils sont toujours au coude à coude et il y a de la pénalité. Je suis revenu à moins de 5 secondes, mais c'est le dernier tour, donc à mon avis. Ah, je le prends mal celui-là. Ça revient. Mais bon, je pense qu'à la base ils sont plus rapides que moi, c'est juste le fait qu'ils soient en bagarre tous les deux. Ça m'a permis de revenir. Voilà, bah écoutez, on va en rester là pour un podium, c'est pas trop mal. Je pense qu'encore une fois, j'ai perdu des points, à mon avis. Je vous mettrai, je pense, en incruste si je peux les points avant, les points après. C'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas, si l'application fonctionne. Bon, en tout cas, troisième, c'est pas trop mal. Course parfaite. Bon, moi, je pense que j'ai dû prendre des points. Bref, course sans accident, on verra ça plus tard. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Bah, on se retrouve dans les commentaires s'il y a des questions ou autre chose. Et puis, je vous dis bonne journée. À la prochaine. Salut.